Marie-France, j'ai 41 ans, je suis mariée avec mon conjoint, ça va faire 12 ans cette année, trois semaines, et on a deux enfants, Raphaël 9 ans et Marianne 6 ans, et je suis désormais intérieure de profession, fait que j'ai fait ça pendant 19 ans, puis papa est arrivé le 6 ans, alors ma fille elle avait un mois, alors je ne m'attendais pas du tout à ça, de vendre du Tupperware, mais c'est, elle m'a invité à son party, ma soeur, puis elle me dit « qu'est-ce que tu fais dimanche? » Fait que là j'ai dit « ben je fais rien ». Tu veux-tu qu'on se voit? Puis tout ça, elle dit, ben oui, je veux que tu viennes à mon brunch chez moi. Puis elle dit, j'ai mon amie qui va me cuisiner des choses avec Tupperware. J'ai raccroché, puis j'ai fait, vraiment, là, je trouvais ça vraiment inquiétant. Moi, dans ma tête, Tupperware, ça sonnait vieux, parce que j'avais peut-être 9-10 ans, puis ma mère faisait des parties, puis des parties Tupperware, puis des parties Tupperware. Fait qu'il y avait toujours plein de madames qui jasaient fort. Tu sais, quand on a 9-10 ans, c'est comme, c'est un party de madame, de sacoche, là, tu sais, qu'on appelle. Fait que dans ma tête, je suis comme, dis-moi pas, je suis rendue là, j'ai ma soeur qui est vraiment inquiétante, tu sais, elle a 6 ans de plus que moi. Mais à un moment donné, tu réalises qu'à la démo, tu fais, mon Dieu, j'ai 35 ans, là. C'est comme l'âge de des parties, c'est comme une réalité, tu sais, comme, je suis rendue vieille comme ma mère était. Une blague, mais tu sais, c'était ça, pareil, la réalité, tu fais, oh, OK. Puis après la présentation, durant la présentation, j'ai comme, mon Dieu, je veux tout sur la table durant l'atelier culinaire. Et là, je regarde le catalogue et je fais, c'est cher. Alors évidemment, j'ai daté, puis je voulais pas vendre. Fait que là, quand elle est venue chez nous, elle m'a proposé les deux parties de mes amis, puis j'ai fait « T'es qui? J'ai une job! Je suis designer d'intérieur! » Non, non, j'étais vraiment comme un peu snob là-dessus, mais franchement. Dans ma tête, je pensais que c'était juste des gens qui savaient pas quoi faire d'autre, ou que c'était comme un hobby cute. Mais quand je suis venue ici, fait que j'étais allée chez mes amis dépenser, et je suis venue ici un mois après, pour aller chercher ma récompense, puis là, j'ai fait « OK, je suis sortie d'ici », puis j'ai fait « OK, j'embarque ». C'était vraiment… Fait que moi, je crois beaucoup aux invités, parce que c'est là que j'ai été recrutée, mais c'est sûr que c'est un processus, tu sais. Peut-être que la semaine d'après que j'ai fait mon parcours, j'aurais peut-être pas dit oui, mais là, ça faisait plusieurs fois que je voyais la fille. Fait que là, ça fait 6 ans que j'en vends, ça fait 3 ans que je le fais en plein, que je gagne ma vie avec Tupperware. Je tripe, c'est moi qui choisis mes vacances, c'est moi qui choisis quand je travaille. Puis même en présentation, ça me fait toujours rire. Quand des clients me disent mais là, tu dois travailler, c'est sûr que je me fais te demander, tu dois travailler beaucoup les soirs, la fin de semaine. Puis là, des fois, je leur demande, ah, toi, qu'est-ce que tu fais comme travail? Puis là, des fois, c'est la personne qui a dit ça, qui fait soir, tu sais, jour, soir, nuit, ou elle fait tous les soirs, ou elle fait, tu sais, puis là, je fais comme, ben, toi, tu fais tous les soirs, ou moi, je sais, j'ai travaillé 9 ans, ben, même plus que ça, là, 19 ans, je faisais toujours une fin de semaine sur deux, puis un soir par semaine, mais là, parnouche le soir que tu veux pas faire. T'as un party, t'es invité à un party, tu peux pas y aller, tu travailles. Puis moi, mes amis étaient à Trois-Rivières, fait que, tu sais, je finis, si je finis à 5, j'ai pas le temps d'arriver vraiment, je vais arriver en retard. Ou même si je finis à 9, c'est pire. Là. Fait que finalement, fait que pourquoi je reste, c'est vraiment flexibilité d'horreur, puis évidemment, tous les à côté, les voyages, la voiture et tout, ça, c'est sûr que c'est un petit plus. Mais tu sais, comme ce matin, ma fille, elle filait pas, fait que je dis, oh, tu vas pas aucun jour, tu vas rester comme ça. J'ai travaillé un peu, puis on s'est amusé un peu ensemble avec sa sieste. Elle aussi, j'ai travaillé, tu sais. C'est ça. Alors, évidemment, le cours ce soir, c'est vraiment pour nous aider avec le... Ben, vous aider avec le nouveau protocole. Il y en a qui sont un peu mêlés. Oui. Qui savent pas se pitcher, puis tout ça. Fait que là, je suis là pour tout vous démêler ça. Yeah. Ben, premièrement, c'est sûr que le recrutement, ça l'a pas changé. On entend souvent tout le monde dire ça. Et Annie Marchand... le recrutement, c'est la clé parce que oui, le produit est là. La démo, c'est comme notre palier, évidemment. Fait que la démo ne change pas. On veut toujours que c'est là, que ça passe beaucoup par là. Mais le recrutement fait qu'on se multiplie et qu'on va faire plus d'argent, évidemment. T'sais. Fait que c'est sûr que plus qu'on recrute, plus que ça monte. Le protocole, c'est vraiment qu'on ne veut pas non plus que vous vous pitchez à dire « je vais vendre des trousses ». Parce que vendre un kit, ça n'a pas changé que d'avant, là. On donne quand même 436 $ de stock pour 110 et vous ne faites pas d'argent là-dessus. Là. À première vue, là, demain matin, Marie, t'achètes le kit. Puis si tu ne vas pas tout de suite t'acheter des échantillons, tu ne fais pas d'argent. Et si vous n'êtes pas gérante, vous faites encore moins d'argent, les filles. Fait que ceux qui ne sont pas gérantes, dépêchez-vous de l'être. Déjà, ça va être correct déjà pour ça. Mais c'est qu'on veut vraiment que la personne achète le kit pour s'équiper, pas juste pour dire « Hey, achète le kit 436, ça coûte juste 110 $ ». On veut qu'elle s'équipe pendant un an. C'est comme une carte de membre. Fait que là, t'es en train de dire « Hey, tu veux-tu avoir une carte de membre genre Costco? »
sais, quelqu'un qui achète une carte de membre Costco, son but, c'est d'y retourner. Ça va pas juste acheter, puis c'est quasiment le même prix, c'est quasiment 100 pièces, tout dépendamment de la catégorie. Tu vas y retourner. C'est ça, t'as pas, ouais, t'achètes la carte de membre, puis tu t'équipes pendant un an minimum. Parce que, on le sait, là, ça va être comme nous autres. Si elle continue à s'acheter des affaires, elle va toujours avoir. Fait que, tu sais, pas juste dire un an, parce que c'est pas vrai. Tu sais, si elle continue d'être active, elle va continuer. Fait que c'est minimum un an à 25 % de rabais et plus. Ça, c'est comme le départ que tu dis, t'expliques pas tout, là. Ah, il y a 4 mois de 65 %. Là, t'es en train de la noyer, tu sais, c'est comme trop. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment juste, moi, j'aime vraiment l'idée. Mais vous, l'idée de dire, hey, c'est comme une carte de mort, tu sais. C'est une bonne idée. C'est ça. Fait que, en premier, la démo, là, comme je dis, ça reste pareil, la démo. Tu fais la présentation, pareil. Mm-hmm. Tu fais les recettes, tout le protocole. Et la seule personne qui a le droit d'acheter le kit, c'est l'hôtesse. Ouais. Ça, là, je vous le dis, ça change pas. Pourquoi? Parce que si Marie est l'hôtesse, puis là, je suis en train de dire que vous pourriez toutes vous autres acheter le kit, elle va faire zéro. Moi, je vais faire zéro paye, premièrement, fait que, donc vous autres. Puis l'hôtesse, elle va avoir zéro cadeau. Finalement, on est en train de se planter. Fait que c'est vraiment juste l'hôtesse qui a le droit à son kit. Qu'est-ce qui va changer après? Je vous ai donné là, la petite paye avec le coupon qu'il faut, le collant plutôt qu'il faut aller mettre sur la facture. La première, bien, c'est sûr, j'aimerais tenir une présentation. Alors, ça, on le dit. Et là, au lieu de dire le service personnalisé m'intéresse, de dire, on disait toujours, ça, c'est deux personnes, c'est une, deux personnes, mettons jusqu'à six. Là, on va plutôt dire, démonstration, on va déjà le dire. Ah, tu peux avoir une ou deux amis ou plus. Service personnalisé, ça va être le questionnaire maintenant. Alors, je vais vous l'expliquer comment, qu'est-ce que ça va faire. C'est qu'on va leur dire, mettons, Marie, service personnalisé, c'est que Marie, j'irai chez toi, juste toi puis moi. Allez voir comme qu'est-ce que tu as besoin dans, tu sais, organiser finalement peut-être ton frigo, ton garde-manger. Allez voir tes besoins. Puis ça, en échange, c'est comme un questionnaire que je te fais, puis tu as la chance de gagner 100 $ de ton oui, puis je te mène un cadeau. Tu vas dater, si tu ne l'as pas daté pour la présentation, parce que vous allez aller voir, faire le tour pareil avec votre agenda. Puis là, mais quand vous allez faire le, quand vous allez lire l'étiquette durant la présentation, bien là, peut-être qu'il y en a une, elle va dire, ah, elle va faire comme, ah, peut-être ça va être plus moi, tu sais. Mm-hmm. Puis des fois, tu vas l'avoir daté pour le sondage, tout de suite, ton agenda. Puis peut-être que, tu sais, tu vas la rappeler. Peut-être que finalement, en lui disant, tu sais, des fois, on dit, bien là, tu peux peut-être te trouver une amie, tu sais, puis elle n'a rien à faire, invite-la. Peut-être que ça va se tourner en finalement en des mots express que j'appelle, là. C'est pas, pourquoi pas. Fait que, tu sais, comme ça, vous allez tout de suite perdre moins de temps, tout de suite dater un sondage si tu n'as pas réussi à la dater. Mais vous ne lui dites pas qu'elle va pouvoir acheter la trousse, parce que là, toutes les autres vont entendre à la démo. Tu sais, il ne faut pas se bloquer, mais tu vas lui dire ça, tu sais, parce que le questionnaire, c'est ça. Puis des fois, tu peux peut-être dire, bien, il va avoir quand même d'autres surprises, tu sais, d'autres privilèges. Ça, tu peux le dire. Pas obligé, mais moi, j'aimais bien de juste dire. Tu sais, le questionnaire, ça va te permettre de voir tes besoins, tu sais, mesurer, tu sais, les modulaires qui s'en viennent, tu sais, là, savoir combien que ça t'en prend. Je vais en, tu sais, fait que tu peux vraiment cibler le service personnalisé. J'aime ça. Fait que, tu sais, ça va vraiment vous sauver plus de temps. Et là, après, ça se peut qu'il y en a qui vont dire non pour ça aussi. Le lendemain, tu vas faire ton appel merci, vous faites tout ça. Après une ou deux journées maximum, vous rappelez toutes les gens à la démo, puis vous leur dites merci. D'être venu à la présentation ou d'avoir fait une commande extérieure, tout ça. Et déjà là, vous pouvez lui proposer le questionnaire, si vous souhaitez la présentation, mais vous pouvez déjà lui proposer le questionnaire, surtout pour les commandes extérieures, parce qu'elle, vous ne l'avez pas vue. T'sais, vous pouvez la dater tout de suite. En plus, toujours pareil, t'sais, on essaie de la dater, puis même, je dirais, l'invitation au bureau avant le sondage, là, t'sais, parce que à la présentation aussi, là, je faisais le deuxième point, mais c'est sûr que l'invitation au bureau est toujours winner aussi parce que quand elle va venir ici, là aussi, elle va avoir le droit d'acheter le kit. C'est vraiment important que quand vous la datez sur place, c'est ça, c'est vraiment juste l'hôtesse qui a le droit à ce privilège-là, mais de vraiment dire, puis on le dit toujours, mais de vraiment focusser, de dire, hey, elle va vraiment aller chercher, tu sais, si elle vend 600, elle va aller chercher 90 de cadeaux plus 250%. Et de vraiment faire l'appel d'hôtesse à la fin de la démo, même s'il reste juste 3-4 amis. Là. L'appel d'hôtesse, ceux qui ne savent pas c'est quoi, quand vous avez tout terminé, vous avez été voir tout le monde pour les dater, vous les avez
planifiés pour ceux qui ont été datés. Et là, vous ramassez toutes les factures, vous calculez, et là, vous faites deviner les gens. Moi, je trouve que ça va vraiment aider à redater, parce que là, des fois, le monde font comme « Ah, a vendu 800! » Puis là, je dis « J'ai vendu 800, c'est assez mérité, 2,50%, tant de cadeaux, le cadeau merci, le cadeau, à peu près 25$. » Fait que là, des fois, ils font comme « Ah! » Tu sais, fait de vraiment focusser là-dessus encore plus, parce que c'est pas juste la trousse maintenant qui est le privilège, tu sais. Ça a toujours été les deux, mais je sais que, en tout cas, pour moi, je focusais beaucoup, beaucoup sur le kit, tu sais. T'as pas le choix, tu sais. C'est ça. Fait que, c'est pour ça que tantôt, je parlais de recrutement. C'est que là, mettons que t'arrives avec la cliente, là, puis que t'es en sondage, puis elle veut pas du tout dater, là. Elle veut pas, ça marche pas, tu sais. Il y a toutes sortes de raisons, là. Mais qu'elle veut vendre. Mais avant, on faisait comme, ben non. C'est niaiseux, pareil, là. Je sais pas si vous voyez. Elle veut vendre, mais toi, tu lui dis non parce qu'il faut qu'elle fasse une démo, puis elle veut pas. Là, tu fais comme, tu es en train de perdre une vendeuse, là. Mais peut-être qu'elle va en faire une éventuellement. Fait que là, tu vas dire, ben oui, Marie, tu peux commencer à m'en vendre tout de suite. Je te commande le kit direct là. Fait que là, elle va faire comme, OK, cool. Puis après ça, tu vas essayer justement d'y montrer que c'est sûr que si elle fait un party, ben là, elle va aller chercher des cadeaux, puis tout ça, tu sais. Alors, pour pas vous mêler, mettons que je l'ai pas datée, qu'elle a fait un questionnaire, par exemple, et j'ai commandé la kit parce qu'elle n'a pas voulu dater, et là, j'ai commandé le kit, j'ai fait livrer direct chez eux. Tu fais un suivi, ça va être vraiment important, vous autres, parce que nous, les directrices, on va faire le suivi, mais vous autres aussi, parce que ça va être vos recrues. Je la rappeler, tu sais, à peu près, là, c'est une semaine et demie maximum, là, que le kit est arrivé, de dire, hey, t'es-tu contente? T'as-tu ouvert ta boîte? T'as-tu des questions? Puis là, tu sais, tu vas voir son excitation, puis tout ça. De vraiment demander, t'as-tu reçu le courriel de ma directrice, comment rentrer une commande, est-ce que t'as eu le temps d'aller voir, t'as-tu besoin d'aide? Tu sais, juste, pas de passer une heure à placer la commande, là, ça, c'est pas ça que je veux vous dire, mais juste de la rassurer, de dire, regarde, le courriel de ma directrice, là, étape par étape, tu sais tout comment faire, puis t'as le service à la clientèle aussi que tu vas pouvoir appeler. Fait que, en même temps, ça fait comme le suivi. Mais vous y avez tout dit pareil en sondage, vous devez toujours avoir des finalisations. Vous n'entraînez toujours avec vous, finalement, quand vous êtes à la présentation, toujours. Fait que ça, c'est au moins juste une, parce que c'est comme juste l'hôtesse. Mm-hmm. Mais en sondage, toujours aussi n'apporter une, parce que si elle dit oui tout de suite, tu veux y expliquer tout de suite. Pas qu'elle sèche dans le néant, puis toi, ce que tu veux, c'est qu'elle aille se chercher les échantillons, là, tu sais, évidemment. Fait que, tu sais, vous avez ça. Vous avez aussi cette feuille-là que vous allez mettre à tous les mois, ça change, hein? Parce que tu veux qu'elle aille s'activer toute seule. Comme capotée, là, elle va aller se mettre 600$ dans son compte, elle va en voir deux kits, excuse-moi. D'où l'importance qu'elle s'active toute seule. Parce que quand elle s'active toute seule, mettons, là, tu as fait trois présentations dans ton mois. Puis, peut-être que les ventes n'ont pas été, tu sais, comme, pas nécessairement comme tu veux, mais là, il y en a deux autres comme ça, là, que tu as vendu des trousses comme ça, puis qui se sont activées toutes seules, mais là, finalement, tu t'en viens dehors, puis tu es gérant. Parce que, je vais vous reparler tantôt, ça t'en prend des recrues actives. Fait qu'imagine, elle s'est activée toute seule, puis là, tu fais, oh mon Dieu, je suis devenue gérante toute seule. Puis, mettons qu'elle ne rentre pas 600. Est-ce que vous seriez déçus, ça rentre 200? Non. Tu sais. T'en as 10 que tu vends avant 200, là, tu fais comme « Yeah! J'ai déjà mon premier 2000! » Tu fais « My God, c'est capoté, là! » Fait que, tu sais, ça fait qu'on veut vraiment l'aider à s'activer toute seule. Fait qu'avec ça, vous avez la procédure, là, de l'activation, mais tous les échantillons en cours aussi, en couleur. On vous le dit tout le temps, mais je le répète ceux qui ne savent pas, parce que ça devient comme un catalogue pour elle, tu sais. Vous dites « Oui, il y a une date d'expiration, tu vas les recevoir par courriel aussi. » Il n'y a pas de problème, mais au moins, elle va déjà peut-être tout de suite la faire baver, puis tu sais, déjà pouvoir, elle va peut-être commander tout de suite, là, après que tu sois partie, là. Christiane, elle veut savoir, est-ce qu'on y envoie le courriel étape par étape pour rentrer une commande? C'est ce que je te parlais tantôt. En tout cas, il faudrait que vous demandiez tout à votre directrice, mais moi, c'est moi qui l'envoie à chaque nouvelle recrue. Comment rentrer une commande avec son courriel de bienvenue. Tu sais, on lui dit bienvenue dans l'équipe, puis avec tous les sites qu'elle peut aller chercher. Puis moi, j'y envoie un autre courriel étape par étape de comment rentrer une commande, puis elle a toute l'image. Fait que c'est celui-là que tu parles. Fait que c'est justement ça que tu peux lui dire, as-tu vu? Parce que des fois, il y en a qui ne l'ouvrent pas, je l'ai effacé, Il y en avait trop. Ben oui, mais c'était comme écrit, tu sais, comment rentrer une commande, tu sais. Mais pour elle, aller chercher son offre dit oui, par exemple, pour elle, c'était pas une commande. C'était son offre de cadeau. Fait que, tu sais,
C'est beaucoup des termes là, que les filles, des fois, ne comprennent pas. Fait que des fois, c'est juste de dire, oui, c'est ça, faut que tu la commandes, donc c'est une commande. Ah! Quand vous faites le questionnaire, comme là, moi, je m'en suis datée tantôt, là, des gens qui ont des garanties, c'est sûr que je vais y faire le questionnaire pareil, normal. C'est vraiment, vous suivez toutes les étapes du questionnaire, vous essayez de la dater pareil, vous y proposez la salle de montre. Puis si vous ne l'avez pas datée, mais si vous l'avez datée tout de suite, là, elle peut, tu peux lui proposer tout de suite qu'elle parte avec. T'sais, si, mettons, la démo est plus loin, tu peux, si tu veux, tout de suite commander la trousse parce que si, mettons, qu'elle capote, elle veut déjà commencer à vendre. T'sais. C'est toi qui vas juger. Moi, je dirais que c'est peut-être, pour ne pas se mêler, là, moi, je dirais, tu l'as datée, commande-la la journée même de son party. Souvent, on essaie de dater là, hein, deux semaines, maximum trois semaines. Mais il y a des fois, tu sais, soyez de... Tu sais, moi, j'en ai une, je l'ai datée au mois d'août parce que ça marchait pas en tout. Mais elle reste au Nunavut. Fait que là, moi, j'ai dit, je te commande tout de suite, je te fais un privilège parce que vu que tu restes loin, tu sais, je te commande ça, tu vas déjà pouvoir commencer à vendre là-bas, puis, tu sais, il y a comme des exceptions de même que tu fais comme j'aime mieux y envoyer tout de suite d'un coup que je perds des ventes que finalement, elle va comme aimer ça, elle va prendre le goût d'aller, finalement, avoir une paye, là, tu sais. Fait que le questionnaire, c'est après que tu dis, bon, tu l'as pas daté, elle vient pas à la salle de montre. Bien là, tu lui fais, hey, Marie, à cause que tu m'as reçu pour le questionnaire, tu sais, le privilège que je t'ai parlé, ou c'était aussi un privilège d'hôtesse, bien juste parce que tu m'as reçu pour le questionnaire, tu as le droit d'acheter ce kit-là, qui devient le kit pour t'équiper pendant un an, tu sais. Est-ce que c'est quelque chose que tu trouves intéressant d'avoir ton 25% de ton power pendant minimum un an? Là, tu sais, c'est comme un peu comme daté, là, tu la laisses parler. Puis, tu sais, il y en a une, là, finalement, j'en ai une, là, je sais pas si vous avez passé mon poste, j'en revenais pas, mais qu'est-ce que tu veux, elle a pas compris. Peut-être qu'elle va comprendre dimanche. Ah, je l'ai pas daté, elle m'a acheté, puis je voulais. Je me sentais quasiment mal qu'elle la jette beaucoup, parce que je me dis, crème, commande-toi juste un peu d'affaires, là, tout de suite, là, puis commande le kit, puis après ça, tu vas aller tout de suite t'en acheter, parce que dans sa tête, ça bouillait, elle voulait tout. Ben finalement, elle a comme pas compris. Ben, coudonc, je me battrai pas avec elle, envoie-moi ta commande, tu sais, je veux dire. Fait que, mais tu sais, elle m'a passé une commande de 290, tu sais, puis elle a comme arrêté un peu, tu sais. Elle a dit, oh, il faut que j'y pense un peu. Mais elle vient, ça demande dimanche, tu sais. Je pense que ça aurait pu continuer, là. Mais là, je me suis dit, ah, je veux tellement que je veux pas qu'elle pense qu'elle arrive ici puis qu'elle catch d'autres choses, tu sais, même si j'ai tout expliqué. 25% sur ton plat à lasagne, minimum. Puis là, s'il sort en échantillon, tu peux peut-être l'avoir, tu sais. Mais pour elle, non, elle voulait pas. Mais rendue à dimanche, peut-être que là, elle va peut-être changer d'idée. Elle vient au moins en salle de mort, tu sais. Mais j'ai tout proposé. Puis même, tu sais, c'était drôle parce qu'elle disait, sa mère, elle dit, ben là, elle veut l'acheter. Oui, oui, mais vous voyez, je suis pas en pression, tu sais, j'étais comme, je voulais, tu sais. Fait que des fois, pour eux, c'était comme trop, oh, elle regardait beaucoup le kit. Puis là, il y avait des affaires qu'elle voulait pas. Fait que tu sais, qu'est-ce que tu veux, tu y as expliqué. Fait que même des fois, on pense qu'ils vont tous capoter, ils vont tous sauter dessus. Ben non. On dirait que vu que c'est libre, elle va y réfléchir et elle va peut-être changer de goût. Fait que stressez pas, ça la jette pas, tant mieux. Tu sais, ça va juste continuer. T'sais, fait que c'est pour ça qu'on dit, focussez pas de vendre des trousses. Focussez de continuer avec ce qui marche. La présentation, puis après ça, si tu l'as pas daté les sondages, ou comme là, j'ai daté des sondages parce que j'avais des garanties. Fait que je fais toujours un sondage, je me déplace jamais pour aller chercher une garantie sans sondage. Je vous le dis. Qu'est-ce que je fais? Je peux vous donner un truc, là, vu qu'on parle de sondage, là, parce que j'en ai daté deux de même tantôt. Il y a un monsieur, en plus, c'est ça, je l'ai rencontré, c'était drôle. En tout cas, bref, je m'en allais dans un chalet hein, la semaine passée en vacances, puis j'attendais, mon chum est allé chercher quoi à l'épicerie, puis j'attendais dans l'auto hein, avec mon char. Et là, le monsieur, il fait hey, madame Tapa, oui, j'ai comme. Hey, ça marche ça encore, ça garantie, puis tout, la patente, je oui. Hey, faut-tu parler à ma femme? Je suis parfait, c'est une carte d'affaires. Ben oui, j'ai ma carte. Mais je dis, si t'aimes mieux, monsieur, par exemple, je pourrais peut-être l'appeler, tu sais, je pourrais m'arranger direct avec ta femme. Oh, bonne idée. Fait que là, il me donne son numéro de téléphone. Là, je l'ai appelé tantôt. J'ai même pas parlé à sa femme, en plus, elle était pas là. Fait que là, j'ai dit, oui, il dit, la tasse à soupe est prête, là, sur le comptoir. Tu peux passer quand tu veux, elle est brisée, elle est prête, tu sais, elle t'attend, genre. C'est quand tu peux passer. Ben, il n'y a pas de problème, mais j'aimerais ça, si ça serait possible que ta femme soit là aussi. Parce qu'en même temps, là, c'est le fun, on a comme un concours présentement. Ah, disons, ouais. Oui, je me déplace chez toi, fait que je vais aller voir ton produit brisé, fait que je vais prendre ta commande de ton plat brisé. Et en même temps, ben, je pourrais te faire un mini questionnaire, puis ça te donne la chance de gagner 100$. Je me suis dit, si t'aimes les produits, tu vas vouloir. Puis là, il a fait,
Ben oui, c'est sûr. Bon, parfait. À quelle heure? Moi, je marche tout le temps comme ça. Je dis pas genre, ben là, je me déplace, mais tu sais, en échange, faut que tu fasses un questionnaire. Mais non, moi, je me déplace pas juste pour ça. Oh. Ça, c'est une autre affaire qu'il faut pas dire. Fait que c'est toujours comme, tu sais, quand on vous dit la nouille sympathique, vous allez trouver votre vocabulaire, mais moi, je suis tout le temps comme ça. Je prends un rendez-vous. Tu sais, comme là, j'ai dit, parfait, jeudi, moi, je pourrais être là. Oui, après souper, parfait. Hey! En même temps, là, je pense à ça. Hey, ils ont comme sorti ça, coco. Puis là, ça pourrait te donner la chance de gagner son. En même affaire, tu sais. C'est juste que des fois, je fais comme. Il y a des fois, il y en a qui vont. Tu sais, comme lui, je suis allée plus vite parce qu'il a comme dit. Ouais, mais là, tu sais quand tu peux passer, là. Ça va être le fun, là. Tu vas avoir la chance de gagner. Ben oui, puis tu t'amèneras ton catalogue, là, on va peut-être acheter quelque chose. Fait que c'est ça. Fait que c'est toujours de pas avoir peur, premièrement, de dire je me déplace. Et de prendre, tu sais, de dire, regarde, moi, je fais ça comme ça, puis en même temps, c'est le fun, je te montre les nouveautés. Tu sais? Parce que si vous le dites pas, puis vous prenez rendez-vous, tu sais, mettons, dire, oui, je vais passer jeudi soir à 6h30. Passer. Dans sa tête, tu restes 5 minutes, là. Dis si ça va bien, puis tu jases, puis tu as du fun, là. Fait que là, des fois, tu vas te ramasser, tu vas faire, mais là, Caroline, je pensais faire un sondage. Mais oui, là, tu l'as pas averti, c'est sûr. Elle a peut-être le costume de bain, elle t'a juste ouvert, puis bang. C'est ça, pareil, là. Fait que finalement, d'être clair, puis si, mettons, elle était pressée, puis tu n'as pas eu le temps, ben, mettons, tu la rappelles la veille pour confirmer. Hey, en passant, j'ai oublié de te dire ça. Quand je vais y aller demain, là, t'aurais-tu comme un petit peu de temps? Là, j'ai comme un questionnaire de 14 questions, puis ça donne un cadeau. Puis en même temps, on jase, puis ça me donne la chance de gagner 100$. Elle va te le dire, oui ou non, tu sais. Fait que, mais je vous dis, soyez toujours honnête, transparent, puis je veux dire, il n'y aura pas d'ambiguïté. Puis si elle ne veut pas, t'essaies qu'elle vienne ici te le porter. Parce que, tu sais, des fois, t'es pas à côté, là. Tu sais, des fois, comme moi, j'étais pas chez nous, là. J'étais en s'en allant vers Repentigny, puis moi, je suis par là. Je m'en allais par là, mais c'était pas chez nous, là. Fait que, tu sais, je me dis, je vais aller faire un questionnaire. Ça va être quand même mieux. Alors, et aussi, je l'ai dit tantôt, les commandes extérieures, mais en démo, ça vous est déjà arrivé qu'il y a des clientes qui partent, tu sais, vite. Oui. Hein? Que t'as pas le temps de dater même, ouais, tu sais, ouais, t'es quasiment en train de la dater sur le bord de la porte, là, tu sais. Ouais. Fait que eux, c'est sûr que tu fais l'appel merci, mais tu vas vraiment leur proposer, oui, carrément la démo au téléphone, là, t'essaies de jaser avec, mais toujours, tu sais, c'est la même affaire, c'est juste que là, le questionnaire, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de possibilités de faire comme, my God, je vais sortir quasiment sûr avec un résultat, là. Tu sais, c'est vraiment, là, une belle entrée, t'sais. Alors, oui, allô, est-ce que je peux parler à Marie? Oui, c'est moi. Allô, Marie, c'est Marie-France de Tupperware. On ne s'est pas vu, mais c'est moi qui ai fait la présentation de Nicole. C'est cool. Des fois, je répète ce qu'elle a acheté. Mettons que tu as acheté un Intellifrais. Mais bon. Ah, super, t'es connais-tu les Intellifrais? Ben, en tout cas, à date, c'est pas mal bon, là. Oui. J'aime bien ça, oui. Super. Puis là, vu que tu n'étais pas venue parce qu'évidemment, tu ne la connaissais pas, là, est-ce que toi, tu es déjà allée dans un party Tupperware? Ça fait plus longtemps. Non, je suis jamais allée. T'es jamais allée? Hey, tu savais-tu qu'on fait des ateliers culinaires maintenant? Arrête donc! Ben oui, on cuisine, puis là on fait 2-3 recettes, puis en même temps les gens goûtent, puis tout ça. Ah ouais? Hey, c'est-tu quelque chose que t'aimerais voir, toi? Ben ça me tente, oui. Hey, ça serait comme facile à dater, là, vous voyez bien, là, tu sais. C'est pas tout le temps, là, parce que là je m'en irais tout de suite, t'es comme, hey, mettons que t'en ferais un, là, toi tu ferais-tu plus un petit... Mettons que t'en ferais un chez toi. Quand tu fais un party à la maison, je sais pas si tu savais, oui c'est le fun, on fait comme je te dis la dégustation, mais ça te donne des cadeaux, là. Ça te donne beaucoup de privilèges, fait que tu peux aller te chercher plein de produits là, à moitié prix, tout ça. Je me pose la question, là, mettons qu'on ferait un party, toi, tu serais-tu plus 5 à 7 ou un repas complet? Mais là, tu dis des cadeaux, là, combien de cadeaux? Bien, ça dépend comment on vend, mais déjà à la base, tu as un beau kit que je pourrais te parler que tu peux aller te chercher, vraiment à 70% de rabais. Ah ouais? Ouais, puis des trucs qui se rajoutent aussi, puis tout ça. Surtout wow. Que toi, tu connais le principe des commandes extérieures, elle était beaucoup gâtée, là. Ouais. En plus, la fille que tu connais même pas, tu sais, c'est comme, ça. Vous voyez, on répète un peu, là, tu sais. Fait que finalement, mettons qu'elle me dit quoi? C'est-tu un thème 5 à 7 ou un repas complet que tu aimerais goûter, mettons? 5 à 7, ça va être intéressant, ça, c'est du vin, puis on pourrait prendre des bouchées. Oui, c'est ça. Oui, c'est en plein. Ben oui, là, ouais. Fait que toi, ça te serait-tu plus la semaine ou la fin de semaine, pour ce 5 à 7-là? Ah non, en fin de semaine, là, la semaine je travaille, oublie ça. Super. Fait que là, t'es-tu un peu une fille genre willing, là? Si je te dis, là, qu'est-ce que tu fais samedi qui s'en vient? Le 14, j'ai pas mon agenda, là, mais je pense que c'est le 14. Le 14, ben là, c'est comme dans 3 jours, là, c'est pas vite un peu? Ben, la beauté, oui, je te comprends d'être un peu insécure avec ça, la beauté de le faire rapprocher, c'est que les gens savent déjà qu'est-ce qu'ils vont faire. Fait quand ils appellent,
ben, ils savent déjà s'ils sont libres ou pas. Fait que ceux qui sont pas libres, ben, ils peuvent faire une commande comme toi. Puis oui. Ceux qui sont libres sont libres, mais c'est pas obligé d'être beaucoup de monde. Ça peut être juste quelques amis, puis tu as quand même droit à des cadeaux. Mais je comprends, mais c'est parce que pour mon party, si j'ai pas beaucoup de commandes extérieures, en 3 jours, j'aurais pas le temps de ramasser des commandes extérieures. Mais je peux quand même te laisser 1 ou 2 journées après ton party, là, mais ça va quand même assez vite. Là. Qu'est-ce que tu veux dire, laisser ben, 1 ou 2 journées? De libre pour aller te chercher des commandes. Ah oui? Ben, ouais. Puis ça se fait vite, tu amènes le catalogue au travail, les gens sont obligés de se dépêcher. Ah, OK. Fait que, est-ce que t'es game qu'on l'essaye là, tentative, puis au pire, on la déplace, là? Si on jamais, peut la déplacer ben, oui, si jamais tu vois qu'il y a personne. Mais fais-moi confiance, Marie. On est proche en démo, on la touche. Mais là, on est au téléphone. Fait que là, il faut vraiment dire des mots. Comme, fais-moi confiance, Marie. Puis on peut l'essayer, puis on va voir où ça va. Parfait. Super. Fait que là, j'adapte. Mettons qu'elle aurait dit non. Bien là, j'aurais parlé de la salle de monde. Tu sais, ah, est-ce que toi, t'es déjà venue à la salle de monde voir tous les produits? Non. Non. Fait que là, tu peux proposer le jour, tu sais, les journées que toi, tu y vas. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir son agenda avec les disponibilités dans l'affaire. Mettons que c'est non aussi pour la salle de monde. Bien là, tu lui parles du questionnaire. Parce que là, vu que Marie, ça fait longtemps que t'as pas été. T'as jamais été, que tu m'as dit. T'as jamais vu une présentation de Tupperware. Bien là, je pourrais aller chez toi te montrer au moins les nouveautés. Puis ça te donne la chance de gagner 100$ de Tupperware sous forme de questionnaire. Fait que c'est pas très long, c'est 14 questions. Puis ça t'engage à rien, puis ça te donne un cadeau automatique. OK. Ouais, fait que toi, t'es-tu plus libre quand même la fin de semaine vu que. Oui, moi, c'est plus libre. C'est mieux la fin de semaine. Parce que, j'y ai déjà parlé, on répète pas, là. On sait que. Fait que, tu sais, c'est vraiment simple comme ça. Ça dépend si elle répond pas, c'est pareil comme un appel merci. Tu vas juste y laisser sur le répondeur merci d'avoir fait une commande, tout ça. Puis tu sais que dans tes appels, tu vas lui dire. Mais tu peux déjà lui proposer. T'sais, des fois, on dit. J'attends, puis tout ça. Tu sais, s'il est dans un bon moment d'y parler, tu peux jaser avec elle tout de suite, puis ça coule, tu sais. Mais des fois, ça va juste faire comme tu vois qu'elle est pressée, puis tu vas juste dire, ah, j'appelais juste pour te dire merci d'avoir passé une commande ou merci d'être venu. C'est la même affaire. Puis tu sais que tu vas la rappeler. Ça peut être dans une semaine, là. Vous n'êtes pas obligé d'attendre super longtemps pour faire ces appels-là, tu sais. Après ça, pour le recrutement, mettons que là, vous avez, pour la démo, c'est clair, là, tout le reste. Pour le recrutement, bien, comme moi, le mois passé, j'ai des recrues que j'ai appelées, j'ai des trousses que j'ai eues. Des gens que tu sais, là, que tu as essayé de dater, soit qu'elle t'a cancellé plusieurs fois puis tu n'as jamais fait la démo. Vous avez toutes. Des gens qui veulent pas, ça marche pas, là, ils veulent pas faire de démo. Tu sais qu'elle, peut-être qu'elle est s'équipée puis que c'est une bonne cliente, là, tu sais, qu'elle t'ajette, là. De l'appeler pour ça, tu dis, hey, t'es tellement une de mes bonnes clientes, là, tu sais, fidèle depuis tant de mois ou tant d'années, j'ai quelque chose à te proposer. Puis des fois, elle sait le kit que tu parles aussi, là. Fait que, tu sais, moi, ceux que j'ai appelés, ils savaient, puis des fois, ils n'étaient pas sûrs, je leur ai envoyé un courriel avec la trousse, puis je leur ai dit, garde, je pourrais t'offrir ça parce que t'es tellement une bonne cliente, tu pourrais t'équiper pendant un an. Puis finalement, ben j'en ai eu deux comme ça. Parce que je sais que ça ne m'a pas coupé nécessairement, parce que je veux qu'elle aille s'équiper. Si elle s'équipe moins cher, pensez-vous que ça va faire plus de ventes que si elle aurait équipé, tu sais, juste avec moi? Fait que souvent, c'est ça, c'est quand tu sais que tu as un rabais, là, peut-être que tu vas acheter un petit peu plus, tu sais, tu vas t'équiper ton camping ou ton, tu sais, tu vas comme aller plus loin un peu. Ouais. Fait que ça. Fait que c'est sûr qu'on n'offre pas, comme au téléphone, à du monde que tu sais qu'elle va faire une démo, là. T'sais, le but, c'est de ne pas faire comme, OK, je me garoche dans les trousses, pour ça, je me disais, non, y aller avec quelqu'un, tu sais qu'elle n'en fera pas. J'ai une autre cliente que j'ai appelée, qu'elle, elle ne pouvait pas en faire parce qu'elle est malade. T'sais, je l'ai dit la semaine passée, ce qui était, tu sais, elle ne peut pas me recevoir, elle ne peut pas nécessairement. Si je vais chez eux, il faut qu'elle me dise, avec quoi me laver? Avec quoi me crémer? Tu sais, je veux dire, elle a une allergie là, à tout. Mais elle m'achète depuis plus d'un an, 2 ans, de temps en temps, là, tu sais. Fait que là, elle a capoté, elle a sauté sur l'occasion. Et là, qu'est-ce qui est le fun? C'est que là, sa belle-fille est venue, elle a vu le kit, elle a lu dans la boîte. Et là, elle a fait crème, moi, je pourrais en vendre. Parce que l'autre, elle ne peut pas en vendre, là, ma cliente, là. Elle, c'est vraiment pour s'équiper. Fait que là, je devrais avoir un autre kit qui va se vendre parce que elle, sa belle-fille, j'y avais déjà parlé, puis elle n'était pas prête tout de suite à faire un party. Mais quand elle a vu qu'elle pourrait en vendre et aller faire de l'argent avec ça, mais elle aussi, je ne l'aurais pas eu parce que je pense que c'est ça. Il y a 3 mois, j'y avais proposé de faire un party. Puis, je n'ai pas réussi à la dater. Tu sais. Je ne l'ai pas rencontrée. Tu sais, c'était comme le téléphone.
Mais là, à cause qu'elle veut vendre, crime, le, la trousse va se commander, puis tu sais, ça va être quelqu'un. Fait tu sais, des fois, c'est ça. Soyez logique avec ceux que vous le proposez. Il y en a-tu qui ont leur groupe fermé? C'était ça ma question. Fermé, là. Ouais, super! Fait que le groupe fermé, c'est vraiment que vous pouvez mettre de la pub. Tu sais, là, vous pouvez aller chercher des promos, vous pouvez faire. Puis, ben oui, vous pouvez le proposer. Moi, je l'ai fait sur mon groupe parce que, à date, mon groupe que j'ai fermé, c'est tous des clients qui ont déjà daté. Tu sais, souvent, ils se rajoutent après leur démo, ou tu sais, il y en a qui n'ont pas acheté le kit, ou tu sais, de mes bonnes amies. Fait que soyez logique si vous voulez mettre, puis la pub à mettre, parce que même si c'est un groupe fermé, des fois, on peut avoir des espions sur Internet. Tu sais, fait que mettez la pub de Tupperware, qu'on appelle la 1, 2, 3, qui est sortie, là, que tu vois la trousse, tu vois l'offre d'étui, tu vois l'offre d'activation. C'est comme, c'est genre, ouvrez votre compte Tupperware ou votre entreprise, je pense que ça dit, là, tu sais. Fait que mettez-la quand même. Tu marques pas, genre, pas de démo, puis acheter le kit, là, tu sais. On s'entend, là? Parce que quand qu'elle voit le kit, toi, tu veux, c'est recruter. Tu cherches quelqu'un qui veut... Moi, j'avais écrit comme, hey, s'équiper pendant un an, tu sais, en achetant ce kit. Tu sais, quelque chose comme ça. Ça peut être ça. Ça peut être, hey, voulez-vous partir votre entreprise, parce que c'est ça qui est marqué aussi, là, tu sais, puis d'avoir des rabais pendant minimum un an, tu sais. Moi, je l'ai mis parce que je savais que je me brisais pas nécessairement de réseau. Si vous avez trop de nouveaux mondes puis que vous voulez dater, faites-les pas, là, sur votre groupe. Tu sais, on s'entend, c'est vraiment parce que tu veux pas nécessairement que tout le monde fasse comme, hey, elle aurait pu me faire un party, puis, tu sais. Fait que, y avec, mais ça, c'est vraiment, moi, j'en ai deux qui découlent de ça. Fait que j'ai hâte de voir là, les résultats. Ça vient juste de se faire le mois passé. Fait que j'ai hâte de voir le résultat. Mais c'est cool parce que c'en est une que j'avais fait le sondage, celle qui me l'a acheté. Elle voulait pas faire de démo. Puis là, quand elle a vu ma promo, elle dit « Crème, c'est la... » Tu sais, elle a vu, elle, la trousse. Elle a compris c'était quoi. Elle dit « Crème, tu l'offres sans faire de démo? » Ben oui, parce que t'es une de mes clientes privilège. Puis là, tu vas pouvoir t'équiper pendant un an. Tu sais, fait qu'elles comme sont contentes parce que là, on l'ouvre finalement. Tu sais. Fait que ça permet ça. Puis je marque aussi sur le post, genre, demandez-moi plus de détails, tu sais, sans nécessairement trop en dire aussi, tu sais. Puis quand tu la rejoins au téléphone, parce que moi, j'essaye en tout cas de moi, ça a marché, je leur ai parlé, mais Stéphanie Talbot, elle disait qu'il y en a qui avaient mis ça sur son groupe, puis quand elle leur disait par Messenger, tu sais, ah, est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone, tu sais, pour qu'on puisse s'en parler, bang, ils répondaient plus. Fait qu'il y a certains, hein, des gens... qui ont peur de parler parce qu'ils ont peur que tu deviennes comme harcelante. Fait que là, à un moment donné, elle a compris. Après deux qui répondaient plus, elle a fait « OK, c'est beau, je vais continuer à Messenger. » Là, coudonc, elle dit « On va continuer de même. » Puis elle dit « Tout s'est fait, elle, à nos deux, je pense, comme ça, peut-être plus, qui se sont réglés juste par Messenger. » Qui voulaient la trousse, puis that's it, mais c'est drôle, ils sont venus à la salle de monde quand elle a parlé qu'il y avait d'autres privilèges quand tu viens après ici. Fait que là... Puis là, ça lui donne des recrues. Fait que, tu sais, si tu dis crème, finalement, on s'adapte à la clientèle, tu sais, qui est là. Puis, tu commences toujours, tu sais, moi, c'est pour ça que je disais ça, quand j'avais réussi à y parler au téléphone, bien, c'est sûr que j'avais, tu sais, des fois, tu essaies de redemander pour dater, tu sais, parce qu'elle, elle m'a référé, celle que j'avais dans le sondage, elle m'a référé sa belle-fille. Elle dit, ma belle-fille, elle aimerait ça aussi avoir le kit, est-ce que tu penses que tu pourrais me le faire? Puis j'ai fait, ben oui, mais j'aimerais ça lui parler. T'sais, fait que là, j'ai parlé, j'ai quand même essayé de la dater au téléphone, puis elle ne voulait pas. Mais qu'est-ce qui est drôle, après une semaine, j'ai fait mon appel comme merci de trousse, là, genre, hey, bienvenue, t'as-tu reçu ton kit, tout ça, la douille. Puis là, elle dit, là, j'ai fait comme, tu sais, vu que t'as pas vu de partir, toi, t'as pas vu comment l'extra-chef fonctionne, tu sais, genre, comment le nettoyer aussi. Tu sais, de pas genre couper le robot quand tu rôles dans la boîte, tu sais. Hein? Ça peut être ça aussi. J'ai failli faire ça. L'autre fois, il y en a, elle me l'a mis. Tu sais, elle me l'a lavé bien comme il faut, comme dans une. Ouais, ouais. Puis là, j'étais. OK. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit que j'irai chez toi pour te montrer comment ton kit marche. Tu sais, je pourrais te faire quelque chose dans le cuit déjeuner, puis une salsa, par exemple. Puis si ça tente, on peut peut-être même rajouter un autre système que t'as pas vu. Tu sais, genre un système de cuisson, toi, c'est-tu quelque chose que tu aimerais voir? Là, finalement, elle fait comme, ah, laisse-moi y penser. Je vais en parler à l'autre fille que j'avais aussi, elle a aussi acheté le kit. Mais je dis en plus, tu sais, si ça tente d'inviter nos deux amis en même temps, que je vous présente comment la trousse marche, pourquoi pas? Là, finalement, je dis, hey, là, c'est la première fois que j'essaye ça. Là. C'était comme, on fait des essais-erreurs. Là. J'ai comme pitché ça. Puis j'ai déjà proposé la date. J'ai dit, ben moi, je serais libre jeudi.
parce que ça, c'est dans le coin de Trois-Rivières. Je dis, moi, je suis libre dans, à Trois-Rivières, je serais là. Ah, ben, je vais en parler. Finalement, elle me réécrit. Puis elle me dit, ça marche. Elle me dit, tu peux être là à 6h30. Elle dit, à date, on a personne. On a juste moi, puis bon. Au pire, j'étais là, là. J'étais dans le coin. Là. Fait qu'au pire, je vais juste aller montrer. Je vais la finaliser comme faut. Puis comme ça, tu sais, peut-être qu'après ça, au moins, elle va catcher plus. Parce que là, c'est au téléphone, je l'ai finalisé, là. Fait que, tu sais, j'ai envoyé par courriel, tu sais, le document. Mais finalement, elle avait deux amis sur place. Fait que j'ai fait un party pareil, là. J'ai fait toute la même affaire, là, tu sais. Ça n'a pas donné nécessairement beaucoup de résultats, mais qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'elles autres, ils ont catché vraiment. Tu sais, j'ai fait mon topper story, j'ai fait le jusqu'au. Fait que là, ils ont comme compris qu'ils pourraient vraiment en vendre. Puis là, ses deux amis ont dit, eh bien oui, elle dit, si on commande. Tu sais, fait qu'ils n'ont pas voulu commander avec moi, mais ils vont commander avec les deux qui avaient la trousse. Mm-hmm. Fait que ça a fait que, mon Dieu, peut-être que, oh, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner dans une couple de mois. Des fois, tu dis crème. Là, je sais qu'elle va placer une commande. Fait que des fois, tu l'essayes, puis on verra qu'est-ce que ça donne, tu sais, c'est ça qui est le fun. T'sais. Pour la finalisation, bien, c'est sûr qu'au téléphone, tu sais, j'ai pas lu tout ça, mais l'important, c'est que j'ai vraiment dit qu'elle a 25% de rabais sur les produits du catalogue, puis les spéciaux. Fait que, tu sais, comme là, je la fais capoter, du gars, présentement, les intérêts sont à 50%, bien, t'as 25% du prix, tu sais, fait que là, c'est vraiment, my God, ça revient vraiment pas cher. Fait que ça, c'est minimum un an. Tu as les échantillons que tu as minimum pendant 4 mois. Parce que après ça, si tu veux que ça se continue, bien là, quand tu vas aller soit vendre à tes amis, parce que tu peux aller faire l'argent, 25% dans tes poches. Des fois, ils ne catchent pas encore. Hein? Tu dis ça, des fois, ils font comme. L'autre fois, ma cousine n'a pas compris tant qu'elle ne l'a pas vu. Tu sais, elle a vendu 100$. Puis là, je dis, ben oui, j'ai dit, il reste à peu près là, 23, 24$. Là. C'est quoi ça? Ben, c'est ta paye, ma belle! Ma paye! J'étais comme, ben, t'as vendu, tu sais, c'est une entreprise, ça. Ah, là, c'est là qu'il y a comme. Fait qu'il y en a que, même si tu leur dis, c'est pas tangible, là. Ouais, c'est ça. Fait que de le répéter plusieurs fois, là, qu'elle peut faire de l'argent avec ça, là, il n'y a pas de problème, là, tu sais. Puis, je lui dis que je vais, tu sais, qu'elle peut vendre justement par catalogue, par Internet. Elle peut faire des présentations comme moi si elle veut. Tu sais, mettons, t'invites 2-3 chumettes chez toi, là. Puis tu présentes qu'est-ce que tu as reçu, puis tu fais une omelette, genre, puis une salsa, comme j'ai fait tantôt. Puis qu'ils achètent tes amis, bien, tu vas faire la paye, là. La personne, elle a acheté le kit sans faire de démo, là, en sondage, ou, tu sais, comme je par téléphone, tout ce que j'ai dit à date. Mais que vous l'appelez, puis que là, vous réussissez à la dater, puis que là, tu dis, crème, là, tu sais, Marie, là, oui, c'est le fun, tu peux aller t'acheter, tu sais, dans l'échantillon, tout ça, mais t'aimerais-tu mieux vraiment l'avoir tout gratuit, là, mettons? Au moins, tu sais, mettons, je sais pas, un 100 ou 200 pièces de gratuit, là. Parce que c'est quelque chose que t'aimerais. Tu sais, genre d'autres intérêts. Fait que là, on va faire comme, ah ouais, tu sais, ben, faire un party à la maison, c'est ça. Je pourrais aller te l'animer pour tes amis, puis en même temps, ça va te montrer, un peu comme j'ai dit tantôt avec la fille. Mais là, c'est vous. Tu sais, si les gens y achètent, c'est vous qui faites la paye, là. On s'entend, là, c'est pas un relancement, mais c'est un lancement. Fait que c'est vraiment la première fois que tu y vas, c'est toujours pareil, c'est toi qui te déplaces. Si elle veut pas, ben là, tu dis, tu peux le faire toi-même. Fais-le toi-même, c'est toi qui vas faire la paye. Mais, tu sais, des fois, elle va faire, moi, j'ai pas d'expérience, tu sais, ben justement, c'est pour ça, je vais me déplacer, je vais emmener des cadeaux pour tes amis, je vais emmener, tu sais. Fait que des fois, tu vas dater après. Parce que là, elle a capoté sur la trousse, tout ça. Fait que des fois, faut pas avoir peur de perdre avec ce nouveau protocole. Et on lui dit qu'elle va avoir des cadeaux dans son kit, parce que, tu sais, les petites surprises, puis il va plein de documentation que tu vas pouvoir aller, puis les catalogues que tu vas pouvoir passer aussi. Fait que, tu sais, puis je lui dis qu'elle va recevoir des courriels de Top 1 et de la directrice, beaucoup de courriels. Je le dis même quand je le fais en vrai, là. Je leur dis, essayez pendant au moins un mois de recevoir tous les courriels, parce que ça te permet de voir les événements qu'on a ici, les affaires, le fun, que tu ne savais pas, les cours de cuisine, tout ça. Puis si tu trouves que c'est trop, ma directrice, ça te changera. Puis elle te mettra dans le groupe juste de spéciaux puis échantillons. Fait quand c'est dit, on dirait qu'ils font pas genre ah, « j'ai plein de courriels », tu sais. Puis ils peuvent changer. Fait que c'est pas, ça dérange pas, tu sais. C'est votre recrue. Le mieux, c'est d'être ami avec votre recrue. Puis comme ça, vous pouvez l'ajouter au groupe de tous les groupes, mais commencez au moins par le groupe de l'équipe, tu sais. Puis si vous voulez pas être amie avec votre recrue, vous pouvez quand même lui dire, moi, habituellement, chaque directrice envoie le lien. Puis vous pouvez aussi aller copier son courriel dans, comme, quand on invite, là, on peut juste mettre le courriel, puis elle va recevoir
un courriel lien, là, tu sais, sauf que si elle clique pas, elle ouvre pas, tu sais, je veux dire, c'est ça, c'est moins vite. Tandis que quand c'est ta recrue, tu peux dire qu'elle devienne amie, comme ça, c'est le fun, tu sais. Et moi, j'essaie souvent, si elle a le temps, là, de vraiment, qu'elle vienne au moins une fois à sa demande, tu sais, parce que là, elle a pas sa reconnaissance, là, tu sais, elle a pas fait son party, elle a pas de reconnaissance d'hôtesse, mais elle a, au cours de bienvenue, par exemple, elle a son 80$ pour 25$. Ensuite, elle a aussi une nouvelle recrue du mois en bas au comptoir. Elle a 50$ de topper pour 15$. Puis des fois, chaque directrice, des fois, vous donnez, ils donnent d'autres choses aussi. Fait que demandez à vos directrices, là, pour les nouvelles recrues, des fois, ils donnent d'autres choses. Fait que, et de dire que je vais le numéro de téléphone pour vous t'aider à rentrer une commande. Et je lui dis aussi, qu'elle, comme je l'ai dit tantôt, qu'elle va recevoir le courriel étape par étape pour aller chercher son offre du tweet, là, qui est la sorbetière. C'est aussi, ça ajoute un plus, en plus. On fait la soirée d'invités toute pareille, là, tu sais, du début à la fin, tout pareil. À la fin, on dit, hey, là, vous avez des prix, un privilège parce que vous êtes ici, vous avez le droit d'acheter le kit d'échantillonnage. On le présente vraiment, fait que présentez-le comme ça aussi, kit d'échantillonnage, puis comme un peu la carte Costco, tu sais, là, mais on dit pas Costco, mais tu sais, on carte d'abonnement, mais on dit plus que kit d'échantillonnage. Puis là, si elle la jette tout de suite, Maria donne un cadeau. Ensuite, deuxième étape, parce qu'elle peut aller, ça peut se mériter jusqu'à 3 cadeaux. Fait, première étape, si elle ajoute le kit, elle a un cadeau. Si elle date un party, elle a un cadeau, on dit dans les 21 jours. Fait qu'on dit, allez voir votre conseillère avec l'agenda, la conseillère va venir me voir, puis je vais vous donner, on va vous donner un cadeau. Troisième étape, si elle passe une commande, on veut aussi que vos invités agissent. Fait que c'est le fun. Fait que si elle ajoute pour 50$ et plus, elle a un cadeau. Fait que là, on dit, tu peux faire une des trois étapes. Les trois, les deux. C'est, tu sais, il y a comme pas de... Fait que là, des fois, ils catchent. Fait qu'on dit pas, tu fais pas de démo, tu fais acheter le kit. Vous voyez, c'est comme, ça se fait comme doucement. On vient juste de le présenter que c'est un privilège aussi quand la personne fait un party, mais qu'on focus beaucoup quand on va aller chercher plein de cadeaux. Puis là, après ça, vu que vous êtes ici, vous avez le droit d'acheter aussi le kit d'échantillonnage. Puis des fois, la fille qui fait sa démo plus loin, bien, des fois, elle va repartir tout ça avec le kit. Puis avant sa démo, elle va aller chercher. Fait que toi, t'aimes ça quand même. Toi, tu vas faire pareil la démo, puis elle va aller chercher des échantillons avant. Ici, bien, apporter des finalisations. Parce qu'on ne sait jamais si elle va repartir avec. T'sais. Puis moi, j'en ai, le mois passé aussi, j'en ai eu 14. J'ai vraiment capoté. Fait que sur mes 14, j'en ai deux autres qui viennent de la soirée d'invités. Puis je les avais vus en démo, tu sais, dans les semaines avant. Fait qu'ils savaient que c'était un privilège, puis ça a comme commencé le nouveau protocole. Fait que là, ils étaient comme vraiment, ah, je peux l'acheter, c'était la, tu sais, je fais pas de démo. Elle était comme tellement, c'est tellement ancré qu'elle était comme, ah ouais, je peux l'acheter, oui, c'est nouveau parce que t'es venue ici. On t'a expliqué là, finalement un peu le processus là, en même temps. Fait que vu qu'elle vient ici, ça lui permet de voir tout ça. Fait que oui, il y en a deux qui ont fait qu'ils commencent à s'échantillonner. Là. C'est ça qui est trippant aussi. Là, vraiment. Pour vous montrer évidemment la conseillère versus la gérante, juste au niveau du même montant, c'est quand même un 100$ de plus. Ça, c'est juste 3000. Fait que là, des fois, quand tu vas augmenter, bien, il va avoir. Ça, c'est sûr que ça va monter plus. Mais là, ce mois-ci, si tu recrutes, bien là, tu peux aller chercher la personne qui va s'activer elle-même. Hein? Le but, c'est qu'elle aille chercher plein d'échantillons. Mais toi aussi, tu vas pouvoir aller chercher des kits de freeze-it jusqu'à 3 fois. Parce qu'il faut que tu en aies, c'est maximum 3, même si tu en as 5, 4 qui s'activent. Il faut que ça s'aille. Fait que c'est vraiment activé. Pour le cadeau, c'est vraiment 600$ qu'il faut qu'elle ait. Mais pour être gérante, c'est 500. Mais nous, dans le premier mois qu'elle ajoute la trousse, tu veux qu'elle aille chercher son 600 parce que toi, tu vas pouvoir aller avoir aussi chercher les kits de Freeze-It. Ensuite, ben, ça va vous donner évidemment les avantages de plus. Comme ça, présentement, vous avez le chariot tu pourras aller à la plage. Ou si vous faites des kiosques avec Tupperware, tu sais que tu as plein d'affaires à transporter. Tu as l'air élégante avec ton chariot au lieu d'avoir plein de sacs. Sur les mains, là, je vais me voyer vraiment ça. Bien, ça, c'est quand qui s'active toute seule. Tu vas pouvoir aller chercher des exclusivités qui sont même dans la salle de monde. Fait que tout dépendamment si vous êtes gérante, gérante étoile ou gérante et plus, bien, plus que, au moins plus que tu en as qui s'activent, tu vas pouvoir aller chercher des exclusivités. Fait que là, c'est en. Mais ça, il faut être
rentre les plus. Fait que ça te donne juste, tu sais, 1 200 $ de produits parce que finalement, tu as fait bien le protocole, tu les as toutes finalisées, ils sont allés s'acheter des échantillons toutes seules, puis peut-être qu'ils ont commencé à vendre aussi, à faire des démos, on ne sait pas, tu sais. Parce que quelqu'un qui s'achète un échantillon, comme je disais tantôt, puis vous n'êtes pas gérante, bien, vous ne faites pas 2 % sur elle. Fait que, tu sais, des fois, les gens, ils disent, ouais, mais mettons que Marie, là, tu sais, mettons que moi, je suis la conseillère, puis elle, elle veut commencer. Puis là, elle a dit, ton amie, elle veut aussi acheter le kit. Des fois, ils vont nous dire, ouais, mais ça va-tu enlever de quoi, Marie? Est-ce que Marie, je veux vraiment l'aider à être gérante, ou, tu sais? Puis là, des fois, tu vas dire, ben oui, parce qu'elle a besoin d'avoir des recrues actives. Mais si vous ne comprenez pas, là, tu vas faire comme, ouais, bien, c'est sûr qu'elle n'a pas le 25 % mais on se dédouble. Tu sais, on ne peut pas faire toutes les démos que, tu sais, tu ne peux pas faire 80 ans. Je suis septembre, là, oui, là, mais le but, c'est pas de faire ça. Fait que moi, j'aime ça quand je me multiplie. Hein? C'est ça qui est cool. Fait que ça donne ça. Tu es capable de voir que tu peux aller te chercher tout ça dans un mois. Là. Ouais, ben, j'aime ça. Évidemment, quand tu es gérante et plus, ben, même conseillère, là, vous pouvez faire le petit tacto aussi. Mais qu'est-ce que vous ne pouvez pas en tant que conseillère? C'est ça, c'est les présences. À toutes les semaines, quand vous êtes gérante et plus, une fois que vous venez ici à la salle de monde, vous comptez vous et vos invités et votre équipe en dessous jusqu'à la prochaine gérante. Fait que finalement, c'est comme Sonia qui est en arrière. Allô, dis salut Sonia. Sonia, bien, Virica, elle vient d'être nommée gérante. Fait que ça, Virica, elle va compter elle, mais son équipe en dessous, elle comptera plus pour Sonia. Parce que Sonia est gérante aussi, gérante et toi. Fait que ça, il y a juste Virica qui compte, mais pas les autres. Parce que Virica, elle aussi, elle peut faire sa feuille. Je sais pas si tu le savais, Virica, c'est tout nouveau. Fait qu'à chaque fois que tu viens, mettons, elle vient ce soir, ah, demain elle est là, elle compte deux fois. Puis mettons que tu as resté pour le soir aussi. Mettons que tu peux, bien là, tu vas compter trois fois, tu vas avoir fait trois actions, plus les invités de ton équipe. Fait que des fois, c'est pour ça qu'on voit les gens, des fois, avec 14 présents. Et ça vous donne un 50 $ me semble, hein? 50 $ de Tupperware la semaine d'après que tu viens avec ta feuille remplie. Fait que ça, c'est à toutes les semaines. Et évidemment, quand on monte de niveau, soit en juillet ou en août, vous pouvez aller à l'activité surprise. Puis moi, j'ai eu l'honneur d'y aller avec Dina dans mon équipe. Puis c'est toujours quelque chose de spécial. Fait que là, on a fait du baby foot dans la boule ronde qui faisait hyper chaud. Hein? Oui. Vraiment chaud. On a joué au ping-pong spécial. On a joué au taxi. C'est vraiment fun. Fait que là, dépêchez-vous, montez en juillet. Parce que quand tu maintiens en août, ben là, t'as un cadeau de plus, tu sais. Fait que c'est comme, puis à tous les mois, ça va changer. Fait que là, c'est vraiment cool. Alors, tout ça, qui veut monter de niveau? Ah!